tous, ici le Duchy. Aujourd'hui, on se retrouve pour le DNews numéro 3. Et aujourd'hui, on va parler de Google Chrome, une nouvelle fois, de Google, de Panoramic, de Photo Panorama et de l'iOS 7. Et enfin, à la fin, je viendrai sur une émission que j'affectionne très particulièrement. Donc, on va commencer par parler de Google Chrome. Qui vous écoute à votre insu. Et oui, donc la reconnaissance vocale intégrée dans Google Chrome a déjà fait parler, mais attention, Chrome est déjà capable de vous écouter sans que vous y êtes au courant. Donc c'est une grosse faille découverte par un spécialiste dans la matière. Et donc même sur les HTTPS de Chrome, il est capable d'ouvrir une fenêtre et de vous écouter sans que la fenêtre soit visible par vous. Donc attention à ce que vous allez dire prochainement devant votre ordinateur. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que Google était au courant de cette faille depuis 4 mois, ce qui a poussé le spécialiste à le publier sur Internet. Donc autre chose qui fait parler Google, c'est leur taxi gratuit. Donc un brevet a été déposé par Google pour avoir des taxis gratuits sponsorisés par la publicité ou juste des réductions, donc ce serait des voitures autonomes, donc des Google Drive. Donc très intéressant. Et donc ce qui pourra pas être trop mal, parce que quand on voit le prix aujourd'hui des taxis, ça coûte extrêmement cher. Donc on va parler aussi de photos panoramiques. Donc c'est pas la première fois qu'on voit des photos panoramiques, mais là c'est Microsoft qui le fait pour promouvoir son logiciel PhotoSynth. Là c'est le Gigapixel Art Zoom. Donc c'est une ville de Seattle, mais avec une image en 360 degrés. Donc elle a été truffée d'objets rajoutés par les artistes locaux qui ont été invités par Microsoft. Et en fait on se croirait dans le monde de Charlie. Très belle photo. Et donc autre news qui vient d'être mise ce soir. Donc iOS 7 rassemble 80 des utilisateurs d'iOS, ce qui est quand même énorme, 80%. Aller chercher un système Android qui rassemble autant de personnes, vous ne trouverez pas. Et voilà, je vais venir au programme que j'affectionne particulièrement, c'est Power, qui est sur ZeroNet TV. Donc je vous conseille vraiment cette émission, avec un mec complètement déjanté et vraiment très sympa. Donc petite dédicace à toi Pépé Garcia. Émission Power tous les lundis sur ZeroNet TV. Merci, au revoir.